4 Schiffo, 5 Andersen, 6 Vertotteren, 7 Van der Rijken, 8 Freeman. Alors, je vous dirai tout de suite qu'il y a beaucoup de monde. Voilà maintenant la composition de l'équipe, si elle pouvait se rapprocher de celle que l'on a vécue contre le Bayern de Munich, ou alors même en championnat de Belgique, pas plus tard que samedi, ben, ce serait absolument pas. Andersen qui est là, il y avait une faute commise là. Vertotteren. Et c'est bon tout ça. Bologna, oh, Olsen, et oh, c'est passé à rien au-dessus là, aussi d'Andersen. Schifo, Van der Rijken, avec une balle qui est détournée là par Bumbescu, elle est reprise par Freeman. Il y a Freeman, et bonne intervention de Freeman. Schifo en direction de Freeman qui a détourné pour Lozano. Et Lozano qui tire. Toujours 0-0, Vertotteren. Pour De Mol. Et voilà Monsieur Prokop qui siffle le repos. Eh bien, les amis, tous ces joueurs sont de très très grande taille, si bien que les chances de pouvoir éventuellement les battre sur balle haute sont réduites à pas grand chose. Les demi-finales de la Coupe d'Europe des champions, Anderlecht et Steaua Bucarest sont toujours à égalité. Et bien, au repos, il semblerait, hein, d'après les échos qu'on a reçus ici, que Göteborg, ça c'est la formidable surprise. Bologna, l'autre balle en avant, elle est dangereuse. Hein. Il y a Olsen qui est avec Piturka. Et oh là là, il... Andersen, Van der Rijken en direction de... Oh, c'était une superbe retour de la tête. Et ça peut se payer cher. Lozano, Schifo qui ouvre pour Andersen. Et là, oh, la jolie intervention là de... Et il le donne en direction de Schifo qui rate carrément sa reprise. Van der Rijken en direction de Schifo. Et Schifo... que Schifo a réussi. Regardez, ça a complètement surmonté le gardien du Kazakh dont je l'avais dit il y a quelques instants que... Van der Rijken, Vandenberg. Et bon, il n'a pas su faire son crochet. Et Andersen revient maintenant. Andersen pour Van der Rijken, Vandenberg. Non ! Je crois que M. Prokop va siffler la fin. Eh bien, c'est chose faite. Donc, Anderlecht remporte cette première manche sur le score de 1-0. C'est mérité, mais cela a été très, très dur, car...